Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien et que vos fêtes se passent toujours aussi bien. Juste une petite info. On a tendance à manger, à se gaver, à se faire plaisir. C'est l'hiver, c'est des fêtes, il faut faire un peu de quen pour tenir le froid pendant le géocaching à l'extérieur. Mais c'est pas le moment de se reposer. Il faut rester vigilant puisque dans quelques heures et dans quelques jours, il y a deux souvenirs à gagner. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un souvenir, je vous le rappelle, c'est un petit badge virtuel qu'on retrouve sur votre profil géocaching et qu'on obtient en faisant certaines actions à des jours donnés. Donc, il y en a deux à venir. Il y a le dernier jour donc la dernière cache de 2017 qui a réalisé donc le 31 décembre. Donc, pour obtenir ce joli souvenir sur votre profil, il faut soit loguer une cache le 31 décembre, soit participer à un event le 31 décembre. Donc, c'est assez simple et pouf, vous avez un petit souvenir. Et le lendemain, on remet ça avec celui-ci, qui est la première cache de 2018 à réaliser le 1er janvier. Donc pareil, même principe. Soit loguer une cache, soit participer à un event le 1er janvier 2018. Donc voilà, il y a ces deux souvenirs à faire, à loguer, à avoir sur votre profil. C'est absolument essentiel, un souvenir. Donc vous êtes en train de me dire, oui, comment on peut aller jouer au cachet, faire des souvenirs alors que bah, c'est le réveillon et tout ça. Pop, 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 pop. Il y a bien Tati Paulette qui va faire des toasts de pâté pendant que Jean-Robert va ouvrir la bouteille de champagne. À ce moment-là, vous vous éclipsez et pan, vous faites une petite cache pas très loin. Il y en a bien forcément une pas très loin de chez vous. Et pour ceux qui participent à un event, il y en a énormément en France et dans le monde, des events pour passer de 2017 à 2018. Avec des géocacheurs, n'hésitez surtout pas, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à aller réaliser ces deux petits objectifs, les deux souvenirs à réaliser. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous allez le faire, si vous l'avez fait, nous joindre des photos, bastonner dans les commentaires comme vous faites d'habitude. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez bien les geocoins, vous aimez bien les défis, vous aimez bien les souvenirs, j'ai vu qu'il est sorti, donc ce geocoin travel bug, etc., qui est disponible, je vous mets les liens dans la description. Et moi, je pense que si je réalise les deux, je pense que c'est ce qui va se passer, je me prendrai ça pour compléter la série et bien entamer 2018. Voilà, je vous dis à très vite, Géo Amitié, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!